Les Dagbovi en réjouissant ce samedi 15 février 2020. C'était l'enceinte de la salle du Palais des Sports Général Mathieu Kérékou de Cotonou qui a servi de lieu de rencontre entre son éternité Dagbo du Esprit Saint et ses enfants. À cette occasion, le très Saint-Père a une fois encore réaffirmé sa détermination à accomplir la mission qui lui a été confiée. Il a par ailleurs conseillé les Dagbovi à accorder plus de valeur aux biens célestes au détriment des biens terrestres. Les plats. Maintenant, c'est les plats. Tiens, c'est bien dommage. L'homme fait pitié. Cela signifie que durant toute votre vie, vous vous attachez aux choses éphémères de ce monde, notamment les plaisirs charnels. Mais que ce soit l'argent, les pains de valeur et tout autre bien matériel, nous les abandonnerons un jour certainement. N'est-ce pas alors la vie à venir, celle qui vient après la courte vie d'efforts de piété que tu mèneras dans la chair qui est primordiale? Il est question de vie éternelle et l'éternel a pris cher et est parmi nous. À sa prise de parole, Dagbo du Esprit Saint est revenu sur la nuance qui existe entre sa personne et les êtres de chair. Il a également réitéré son amour pour les Dagbovi, malgré les différentes machinations contre la mission de Gwanamé. C'est Dieu qui est au milieu des hommes et agit pareil à l'être humain. Et voilà qu'ils l'ont pris pour leur semblable. Pensez-vous que je suis un être humain? Si vous vous trompez ainsi et croyez que je suis un être humain, c'est ce qui vous a induit en erreur. C'est tout ce qui vous a induit en erreur. Vous les hommes de ce temps, c'est ce qui vous a floué. Je ne suis pas un être humain. Je suis amour absolu. Amour, cher Dagbovi, c'est avec tout l'amour qui est dans mon cœur que je conduis cette mission de bonne main. Cher Dagbovi, si je vous ai détesté une seule fois, si j'ai pensé une seule fois que vous connaissiez l'infortune ou que votre vie soit un échec, cher Dagbovi, et s'il existe un sauveur autre tel qu'ils ont coutume de le dire, s'il existe ailleurs un autre Dieu bienveillant, qu'il ordonne et que la paix s'ouvre et m'avale. Cette rencontre remplie d'allégresse a été l'occasion propice pour Dagbo du Esprit Saint d'annoncer le nouvel élan qu'amorcera la mission de Gwanamé dans les tout prochains jours.